Eh bien, salut tout le monde, c'est Faredge et bienvenue pour ce nouveau stream de Fire Emblem Radiant Dawn. Excusez-moi si le son bug, c'est normal, hein, c'est moi qui fais un truc. Donc bienvenue sur ce nouveau stream de Fire Emblem Radiant Dawn. Le dernier de ces vacances de la Toussaint, puisque après bah forcément je reprends le boulot, donc je sais pas trop quand je ferai la suite, mais je trouverai le temps. Ne vous inquiétez pas, on fera la suite. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour continuer notre aventure avec l'armée du .. qui a osé se rallier au sénateur de Bénion. Et bah j'imagine qu'on va aller combattre des laguses. Donc sans plus attendre, hop, on y va. Chapitre 6, combat justifié. Là, on avait tout fait au niveau du camp, me semble-t-il, donc on va pouvoir y aller. Aïe. Voilà un truc que je n'aime pas. Bon bah tout le monde va jouer comme ça. Très bien. Voilà une mission que je n'aime pas. Tuer des laguses. Surtout en fait obéir à ce petit prince couillon. Ça me dérange, mais bon. D'ailleurs. Alors là par contre faut faire attention parce que forcément ils traversent la rivière mais on sait pas trop d'où ils viennent. Donc il faut vaincre l'ennemi, il en reste 46. Très bien. Bah écoute, toi tu vas y aller. Épée des héros. Oh. Arme de Péléas. Non, en guise de récompense réservée à Edouard. 12 x 2, c'est déjà mieux, ouais. Par contre, c'est clair que niveau dégâts, c'est pas ça, les gars. J'ai pas un mage qui traîne quelque part. À part toi, je veux dire. On va voir. 23, ouais, 23, ça me paraît pas mal. 26. Allez, va sur 26. Voilà. L'idée, c'est que il faut qu'il change de classe, hein, certains, parce que là, c'est... Ça devient juste plus possible, hein. Allez, vas-y. Utilise l'épée de Péléas. On va voir s'il survit. Là, je tente des trucs, hein, mais forcément, ça va être risqué ce que je vais faire. Alors, toi, mets-toi là, du coup... Pour le protéger, l'idée ça va être de les laisser venir, hein, clairement. Où elle est ? Je peux même pas aller le soigner, bon bah c'est pas grave. Toi, mets-toi là, pour les empêcher d'approcher. Oh !
et tu utilises un épieu de fer. Voilà. Qui on va mettre toi là. Et tu utilises le merlin d'acier. Gilles. Ah bah il y en a un là, tiens. Et forcément il est hors de portée. toi utilise ça. Voilà. Oh là. Hop. Allez, go. Qui on va envoyer? Yark, là. Perle étale, ouais. Épée d'acier. 16, 15. Utilise le perle étale, écoute. Voilà. Très bien. Pour voir, toi, si je te mets là. Ouais. Effectivement, c'est pas terrible. Toi, attends. Ouais, si, vas-y. Toi, là. Merlin d'acier. Ouais, bon, ben va à la hache de héros, ce sera bien. Autant les utiliser, hein. Après, mets-toi là. Là. Toi, là. Avec, la dague d'acier. Non, la dague de fer. Non, la dague fine. Ah, si tu fais un critique, ma foi. Allez, si tu fais un critique, on sait jamais. Non, pas de critique. Tant pis. Et qui n'a pas joué? Ah bah oui, toi. Bah mets-toi là, hein. C'est vraiment histoire d'eux, hein. Allez, mettez-moi de l'XP dans la réserve. Merci. Oh, mais quelle bande de... Oh. Alors, toi là. Tu vas pas le tuer, mais écoutez, c'est toujours ça. Voilà. De toute façon, là, il est hors de portée de tout le monde, donc bien. Toi, j'aimerais bien le mettre là, mais si je le mets là, il va se faire défoncer, quoi. Je peux pas le mettre jusque là. Mais... toi. Non, là. Je préfère laisser des chats en vie que des tigres. Voilà. Ah, obtenu un arc de héros. Oh. Tu vas le garder pour l'échanger avec notre archer, hein. Qu'est-ce que tu vas... Bon, le marteau, range le marteau, voilà. Ok, Mikaya va te mettre là.
Ouais, là. Bien là. Là, tu peux attaquer ce côté-là au cas où. Là, on va les laisser se rapprocher. Hein. On va faire ça. Vous, vous restez en esquive. Et toi. Ouais, vas-y. Ça m'embête parce que lui je peux pas le faire avancer jusque là. Là c'était bien en fait, mais il y a lui au milieu, donc pour l'instant on va attendre. Et toi, viens te mettre. C'est quoi? Attends. Toi là. Voilà, et on les laisse venir. Aïe. Alors, oui, déjà, hop, échanger l'arc de héros là. Ensuite, toi, je vais te mettre là. Bon, il faut que tu prennes de l'XP en fait. Donc, vas-y. Voilà. Après, on va mettre. Tiens, juste pour le lol. Viens prendre un peu d'XP toi aussi. Oh là là, sérieux. Oh là là là. Bon, viens, reste chez toi en fait. Ziark. Là. Bon, après les autres sont pas à portée de toute façon, alors quoi. Là. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Élimine les tigres. Toujours le même problème, je peux pas avancer plus que ça, donc mets-toi là. Et voilà. Toi, éventuellement, je pourrais te faire attaquer, mais est-ce que j'en ai envie? Peut-être pas. Hein, en vrai, voilà. Donc toi, là. Voilà. Toi, reste là, et puis. Et puis voilà. Mais arrêtez de vous mettre à droite, foutu soldat, quoi. Mon objectif, c'est de faire avancer... je sais plus comment... Edward. Salut, Alain. Oh, bien joué.
Ok, alors, bah toujours pareil, hein. Quoi? Ah? Quoi? L'XP, allez! Oh, sérieux! Alors, j'aimerais bien ne pas le tuer. Est-ce que c'est possible de ne pas le tuer? Ouais, attends, 10. Taux d'acier, 16. Et après, ouais, si, c'est bon. Vas-y. Taux d'acier, voilà, ne le tue pas. Voilà, toi là. Ouais, plus de force, je dis pas non. Ok, donc là, de toute façon, il est hors de portée. Bah, toi, t'es toujours bloqué, hein, en vrai. Tiens, on va te mettre là, je sais pas. On va te mettre là. Toi, toi, reste par là. Toi, viens là. Voilà, après toi. Ah, c'est tout. Je suis déception, ma grande. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Bon, vas-y quand même. De toute façon, après, tu auras assez pour te replier. Allez. Sur cette carte, il y a Jill et il y a le reste. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Sur cette carte, il y a l'XP. Et c'est tout. Jill, c'est pas rare, hein. Elle en casse pas autant. Voilà, après tu reviens là. Toi, mets-toi, mets-toi là. Toi. Voilà. Et vous, restez là. Hein. Allez, toi, tu vas mourir. Ah, mais tu vas mourir quand même. Voilà, très bien, ne le tue pas, c'est très bien. Alors, tu vas pas mourir parce que l'autre, il a décidé d'attaquer l'archer, ce qui est pas mal en soi. Allez, approchez. Alors, où tu es? Hop, tac. Voilà, allez. Non, non, mais voilà, hein, on déconne pas. Tu me le tues, il a que 6 points de vie. Très bien. Dague d'acier, voilà. Comme je disais, on tue les tigres, les chats on les laisse en vie. Voilà, donc là lui il va venir là et après toi tu vas le tuer. Là il y en a peut-être un qui va se décider à attaquer Ziark, on va voir.
Là, alors, toi tu es là, c'est bien. Toi tu vas... Ou toi, non, toi tu vas te mettre là. Là. Toi tu restes là. Toi tu vas avancer par là. Et puis voilà. Oh, point, 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 point. Alors, on est toujours dans l'idée de gagner de l'XP. Parfait. Voilà, vous vous restez là, parce que comme je disais, l'idée c'est de gagner de l'XP. Ensuite, là, alors. Là, quand même, on va faire attention à ce qu'on fait, hein, mine de rien. J'aurais pu le faire avant, le critique. Hein. Donc là, en théorie, où elle est ? Lui, il devrait me soigner. Edward. Toi, tu vas t'équiper de l'épieu de fer et tu vas utiliser une potion pour encaisser. Voilà. Je vais juste faire une sauvegarde des fois que le mage décide de me troller et de pas me soigner Edward. Ensuite, là, en vrai, je pourrais attaquer, mais... Et voilà, quoi. Allez, toi. Voilà. Ouais, juste pour faire point, point. On va rigoler un peu, allez. On peut lui parler? Non, on peut pas lui parler. Bon, bah voilà. Voilà, très bien. Toi, l'archer, tu vas finir par mourir, hein, je suis désolé de te le dire, mais... Voilà, ça, c'était prévu. Allez, approchez, approchez. Il en reste combien? 28, ok. Alors, toi, les pieux de fer, ouais. La lance de fer, ouais. La lance d'acier, ouais. Bon, bah, vas-y. Ouais, vas-y, hein, écoute. Attends, réfléchis quand même. Ouais, si, vas-y, vas-y. Attends, je crois que... T'as pas une arme à distance, toi? Non. Bon, bah, alors, vas-y.
Oh, bien joué. Donc là, l'idée, c'est qu'il y en ait un qui vienne m'attaquer, lui. Eux, je sais pas quelle portée ils ont. Ah, ils peuvent avancer. Ah. Ça veut dire, par exemple, si j'avance et que je tue lui, lui, il va... Il va pas avancer. Par contre, lui, il peut avancer jusque-là. S'il avance jusque-là, Edward, il va se retrouver bloqué. Bon, c'est pas grave. Toi, sors de là. De toute façon, tu sers à rien. Allez, toi, à la limite... Même pas. Bon, bah, alors, reste là. À nous. Alors, vous, d'accord. Mets-toi là. Hop. Voilà. Vous le sentez que je veux l'entraîner, Leonardo, ou pas? Comment ça se passe? Oh, allez, là, honnêtement, c'est juste parce que j'ai envie de m'amuser. Voilà, c'est juste parce que c'est classe. Voilà. Et comme tu vas te faire attaquer, tu vas... Quoique... Non. Non. Tu vas t'équiper de la dague d'acier et tu attends. Voilà, les autres... Ouais. Toujours pareil, hein. On élimine les tigres. Mais là, c'est un chat. J'ai vu trop vite. Bon, c'est pas grave. Allez, mets-toi là. Non, là. Voilà. Et ma foi. Donc toi, tu vas avancer là. Toi, tu vas venir là. Allez, c'est bon. Ça compte comme un fail, mais arrête un peu de dire n'importe quoi, mon cher Alain. Ok. Alors là, le problème, c'est que toi... Ouais, et là, tu le tuerais pas, lui. Alors, comment on pourrait faire? Parce que si je l'attaque, là, il va je vais me faire tuer. Donc, c'est pas l'idée. On pourrait éventuellement faire... et 13, c'est pas bon, tu le tuerais pas. Bon, bah dans ce cas, j'ai presque envie de dire on reste comme ça, ou alors on s'amuse avec le chevalier noir, on peut faire ça aussi. De toute façon, là tu vas me l'attaquer et ça va s'arrêter là, et après toi tu pourras le tuer. Donc si, allez, on va faire ça, reste là, les autres restez comme ça. À la limite, attaque celui-là quand même. Ah bah oui, si tu fais ça, alors ça me va. C'est bien. C'est très bien même. Ah, hausse de niveau, parfait. C'est bien ça. Voilà. Allez, go.
Je la fais traîner la mission, hein, vous l'aurez compris, je veux entraîner au maximum ceux qui sont proches du changement de classe. Hein. Voilà, donc là tu viens m'attaquer Edward, normalement. Non, tu viens pas m'attaquer, Edward. Vous me gonflez avec ce soldat, Alliance. Voilà, attaque Edward, s'il te plaît. Oh, bordel. Bon, au moins, comme ça, ce soldat me gonflera plus. Bon, alors, ceci étant dit, là, faut faire attention, parce qu'il commence à y avoir du monde, hein. Alors, Ok. Alors attendez, on va réfléchir 2 secondes. Hop. Voilà. Tac. Tiens, lui, il est pour toi. Vas-y, à l'arc d'assaut. L'arc d'acier, ouais, ça suffira. On économise les armes qui sont fortes contre les laguses pour l'instant. Très bien. Toi, va éliminer le chat. Il en reste combien là? 20, ok. Allez, viens là. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Ensuite, toi. Viens là. Alors, ouais. Bah on va y aller avec ça. Sachant que si j'y vais avec ça, là il va falloir que je me soigne. Bon, on va faire ça comme ça. Bien, donc là le mage blanc devrait me soigner. On va quand même faire une sauvegarde rapide des fois que le mage blanc décide de troller. Mais pour que le mage blanc me soigne, il faut que toi tu te soignes d'abord. Voilà, juste pour être sûr. Et ensuite, on est bon. Merci. En soi, remarque, c'est pas une bonne chose. Parce que là, Edward va se faire tuer normalement. Edward devrait se faire tuer là. Parce que le mage blanc, il m'a soigné. Mais là, Edward va tuer le laguse. Et le deuxième va m'attaquer et va me le tuer, je pense. On va voir. Je pense que ça va se passer comme ça. Là normalement il y en a un qui s'approche et qui me tue Edward. Ah. Voilà, ok. Du coup, alors là il y a deux façons de faire. Soit je le sauve avec lui, soit
je fais comme ça. Voilà. Allez, toi tu vas mourir, je suis désolé de te le dire. Fail qui a dû arriver il y a 20 minutes vu mon retard. Voilà. On tue le tigre. Et on revient là. Ensuite, je l'attaque. Non, hein, c'est pas une bonne idée de l'attaquer. Hein. Non, c'est pas une bonne idée. On attend. Toi, en attendant, par contre, tu attaques lui. C'est toujours de l'XP de prix. Ensuite, là. Attaquer à les pieds de fer, ouais. Et si je fais éclat, voilà, tu le tues pas, ça c'est bien. Très bien. Et il est pour toi. Allez, encore un niveau normalement et il change de classe. Voilà, là on va lui laisser l'occasion à lui de se replier. Comme ça, toi tu te fais attaquer. Toi mets-toi là. Et voilà. Eh ben je pensais que tu te replierais. Je suis surpris. Bon, ok. Oh là 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 là. Quel homme, quel homme. Alors ceci étant dit, par contre, ça ne m'arrange pas que tu viennes. Ah oui, si, c'est bon, voilà. Si. C'est bon, ça m'arrange. Voilà. Comme ça, tu meurs. Du coup. Tu me te spoil si tu regardes ma. Non, non. En fait, alors Fallon, si tu. Là, on a retraversé la... Enfin, l'Alliance Lagueuse a retraversé la rivière et Daen les attendait de l'autre côté de la rivière pour les éliminer. Voilà. Et donc là, je fais durer la mission parce que
L'idée, la mission pour la gagner, il faut exterminer tous les Lagus. Et donc là, je fais durer la mission pour entraîner mes persos qui sont proches du changement de classe. Voilà où on en est. Donc depuis tout à l'heure, je tue des Lagus, simplement. J'aurais pu la terminer il y a un moment, la mission, mais je la fais durer. Je la fais durer parce que je veux entraîner Leonardo, Edward et Monsieur Lancier qui loupe tous ses coups. Lui, il en est à son quatrième niveau, je crois, Leonardo, depuis le début, donc... Donc voilà. Ensuite, donc, couteau de cuisine, couteau de salle à manger... Ah. Toi, tu vas exterminer... lequel est un tigre ? Aucun des deux. Le tigre, il est derrière. Bon, bah, tu vas exterminer le chat. Même le chevalier noir, pour te dire, Fallon, il a débarqué. Il a regardé Mikaya, il a dit, bon, je vous demanderai pas pourquoi vous vous êtes engagé dans cette bataille. Mais bon, le sous-entendu était bien clair, quand même. Voilà, très bien. Allez, hop, mets-toi là. Alors là. Là, parce que... si j'attaque, toi, tu vas me le soigner normalement. Donc c'est bon, vas-y. Voilà. Donc toi tu me soignes, toi tu vas survivre, toi tu fais coucou. Et allez tiens, pour un peu d'XP, voilà, prends ça. Et voilà. Voilà. Ensuite les deux devant, venez vous faire attaquer. Ah bah tu sais, Mikaya, je pense qu'elle le sait très bien et qu'elle ne veut pas faire ça. C'est juste qu'elle obéit au roi, hein. Mais elle ne veut pas faire ça, hein, clairement, hein. Je pense qu'elle le sait très bien que ce qu'elle fait, c'est pas top, quoi. Mais elle le fait pour son pays, on va dire ça comme ça, hein. Alors, hausse de niveau, c'est très bien. Voilà, toi, viens attaquer Edward. En plus, c'est un chat, donc ça va. Alors, on va faire une sauvegarde rapide. Hop. Donc, il en reste 11. Très bien. Donc, là. Là, le problème, c'est que... Il te reste 22 de vie. Est-ce que c'est plus prudent de me soigner et d'encaisser le prochain coup? Je dirais que oui. Mais pour Edward, c'est pas prudent. Pour toi, oui. Pour toi, oui. Alors, attends. Parce que là, il faut que tu réfléchisses. Ou est-ce qu'il vaut pas mieux que je le tue, lui? Parce que si je me soigne, prochain coup, lui, il attaque, Edward le tue, et après, j'ai lui, le tigre qui vient m'attaquer, il va me tuer, Edward. Donc, c'est pas un bon plan. Du coup, il faudrait... que lui, je le tue... Et si je mets le chevalet noir en avant, c'est pas terrible. Bon, attendez, avant de réfléchir, on va déjà entraîner. Heure, là, vas-y... Voilà. Toujours plus d'XP. Là, c'est un minou. Donc toi, là. Puis le chat.
Voilà. Ouais, là je suis embêté. En vrai, je suis embêté. En fait, je suis embêté parce que lui, il est au milieu. Attendez, si je réfléchis. Non, en fait, non, c'est bon, en fait. Si j'attaque là, je le tue. Lui me soigne. Toi, je te soigne. Ouais, non, c'est bon, en fait. C'est bon. Toi, je te soigne, on a dit. Toi, est-ce que tu peux le tuer? Non. Alors, si tu peux pas le tuer, tu vas laisser comme ça. Toi, tu attaques et tu le tues. Voilà. Prochain changement de niveau, toi aussi tu changes de classe, c'est très bien. Donc là, toi tu me soignes et normalement on est bon. Voilà. Allez, là on continue le train-train. Il en aura pris des attaques de la guse, le pauvre. Mais il aura pris des niveaux lui aussi, entre Gilles, lui, Leonardo, Edouard et Monsieur Lancier. Ils se sont quand même gavés hein, sur son niveau. Alors là, on réfléchit. Là, il y a moyen. Ah, il y a d'autres tigres. Bon, bah alors, on va refaire la même chose. Bon, déjà, pour commencer, là. Ouais. Il attaque à combien, lui? À 20. Ouais. Là. Ok. Alors, toi, tu es quoi, toi? Tu es un chat. Donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais pareil? Toi, je soigne. Toi, t'attaques. Ouais, on va faire ça. Allez. Oh, tiens, tue-le juste pour le plaisir. Il y a des dialogues spéciaux entre les boss et Jill. Oui, certainement, mais les boss, ils sont pas là. Je me doute bien que si je vais voir l'été avec Jill, elle va dire quoi? What? Mais là, l'été, elle est pas là. Donc tant pis. Allez, tue-le. Et voilà! Premier objectif atteint. Voilà. En plus, il est soigné, carrément. Ça l'a... Changer de classe, ça soigne. Ah bah, je savais pas, tiens. On aura appris un truc. Ok.
Mordecai, tiens, coucou. Alors attendez, là pareil, sauvegarde rapide. Hop. Là, il y a pas mal de choses à tenter là. Déjà. Hop. Là. Oh, sérieux? Oh, nul. Tu le tues pas. Ouh, nul. Est-ce que si je vais là, tu peux lui parler, juste pour voir. Ah, fuck, elle est là. Bon, alors, attendez, je recharge. Je me suis fait avoir. Hop. Ah, je recharge. On sait qu'elle est là, l'été. On va attendre. Ce que tu vas faire, toi, c'est tu vas venir te mettre là. Ou alors... Non, toi tu peux m'attaquer, donc il vaut mieux que toi tu recules. C'est plus prudent. Voilà. Si je vais là, je sais pas si j'ai assez de recul, donc viens là. Allez. Ici. Toi, mets-toi là. Là. Alors là. Là. Si je pars du principe que changer de classe, ça soigne. Normalement. Je devrais te soigner là. Voilà, deuxième objectif atteint. Parfait. Et ça soigne bien, très bien. Donc toi, tu peux attaquer et pas le tuer. Sérieux. Voilà, tu peux attaquer et le tuer. Du coup, le mage va te soigner, donc c'est bon. Voilà. Donc là, le mage te soigne. Allez, maintenant que eux ils ont changé de classe, on peut faire le ménage de ce côté-là. Et on est bon. Ah! Oui, effectivement, il y avait ça aussi, j'avais pas prévu. Remarquez, c'est un chat là-haut, donc il devrait pas me tuer, Edouard, donc c'est pas grave. Ça va, ça va.
Alors, allez, go. Ah bah pas vraiment en fait. Bon bah voilà, en fait c'est fini, tant mieux. Allez, on a bien géré là au niveau de l'XP. Ouais, écoute, Ranulf, Mikaya, ce serait bien. Allez, bon courage, Fallen, bon rétablissement. Bien. Bon, le combat aura traîné, mais au moins il y aura eu un bon gain d'XP. L'armée de Dain entre en guerre et porte un coup sévère à l'Alliance Laguse. Cette attaque surprise a pris l'Alliance au dépourvu. Privée de toute chance de retrait, l'Alliance Laguse perd confiance. Alors que tout semble perdu, Skrymir réapparaît devant ses troupes pour les rassembler, leur redonnant ainsi courage et espoir. L'apparition des troupes de Tibarn et Dyke remonte davantage le moral de Galia, ses alliés étant pourvus de serres et d'armes redoutables. Ouais, faction rivale, point d'interrogation, c'est une bonne question.
d'accord avec toi, Ryzen. Bon, là, évidemment, on est au camp, mais il n'y a pas d'argent. Est-ce que ton objet se revend, en fait? C'est surtout ça, le truc. Cri. Voilà, toujours pareil de toute façon. Gestion technique. Où est-ce qu'il est? Hop. Non, pas lire. Permet de paralyser une unité ennemie pour un tour après que celle-ci ait porté une attaque indirecte. Oh, papa. Allez, pourquoi pas. Bon, au niveau de l'XP, j'en ai combien? 4000. Bah toi c'est toujours pareil, je veux bien t'entraîner, mais dans la mesure où t'as pas de quoi attaquer, ça me dérange. Allez, on va monter niveau 14. Ok. Alors, j'ai toujours pas d'argent, on est bien d'accord. Bah non. Là, il faut que je vende des trucs. Hein. Là, clairement, il faut que je vende des trucs. Hein. J'ai presque envie de la revendre, celle-là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là, j'ai rien éventuellement qui... que je pourrais revendre. En vrai, l'élixir pour Ryzen, je pourrais le revendre parce qu'en soi, bon. Parce que Ryzen, je vais jamais vraiment le soigner, donc allez, on va le revendre. Et ça, on va le revendre aussi. Voilà, parce que là, j'ai clairement besoin d'acheter des trucs. Donc. Oh, c'est cher. Hein. Déjà. Pour quoi? Là, avec avec un javelot, non, peut-être pas. Le merlin d'acier pour quoi? Voilà. Une lame de fer, tant pis pour la lame d'acier pour Ike. Voilà. À qui je devais acheter des trucs aussi? Arc d'acier, toi c'est bon, toi c'est bon, toi c'est bon, toi on est bon, épieu d'acier, tout ça, toi c'est bon. Ah bah toi Titania, Merlin, il te faudra un Merlin toi aussi. Hmm.
Alors, il te faudrait un Merlin à toi aussi, Titania. Voilà. C'est mieux déjà. C'est mieux, c'est mieux. Ok, allez. Sauvegarde rapide. Hop. Et c'est parti. Ah bah, il y a du monde, hein. Complètement. Par contre, ouais, j'ai pas grand monde là, dites donc. La vache. Là, j'ai pas grand monde. Alors, Mordecai et l'été. Ouais, je sais, il faut des laguses dans l'équipe, mais j'en ai rien à foutre. Mordecai et l'été, je ne les veux pas. Ah, oui. J'ai presque envie de prendre Ryzen. Là, j'ai deux mages blancs. Est-ce que deux mages blancs, c'est nécessaire? Là, peut-être pas deux. Un seul suffirait peut-être. Un seul suffirait peut-être. Si j'enlève Rhys, qui je prends à la place? Qui je prends à la place? Est-ce que je prends Ryzen? Bah déjà Ryzen, si je le prends. Si j'enlève Rhys, est-ce que je prends Mia peut-être? S-Hike en retrait au début de la mission, pourquoi? Ah, j'hésite, hein. J'hésite. J'hésite. Bon, elle a le moral très faible, Mist, donc on va pas prendre Mist, on va prendre Rhys. Des renforts, tu leur parles. Je parle à qui? Ah oui, oui, je vois, je vois. Oui. Mais t'es pas obligé de le faire avec Ike, tu peux le faire aussi avec Ryzen. Donc, à la limite, c'est plutôt Ryzen que je vais laisser en retrait et pas Ike. Ben, on va prendre Mia, écoutez. On va faire comme ça. Voilà, alors là il faut survivre. Bon bah s'il faut survivre, on va les laisser s'approcher. Hein. On va rester en retrait de toute façon, on va les laisser s'approcher. Alors, on va faire Ike, on va te mettre dans les herbes. Toi, dans les herbes aussi. Mia, dans les herbes. Là, il y a quelqu'un. Ouais, il y a toi. Donc, toi. Là. Toi, là. Excusez-moi. Toi, là. Toi, là. Toi là. Et toi là.
ce serait drôle quand même d'aller avec Ike jusqu'au Chevalier Noir et de les affronter. Après, j'imagine, je me rappelle pas, mais j'imagine que si t'arrives, un miracle, jusque là, et que tu te mets à tuer des personnages ici, ils meurent définitivement. Alors peut-être pas Mikaya, mais en tout cas les autres, ils meurent définitivement. Mais bon, c'est un coup à se faire défoncer, hein, d'arriver jusque là. Alors, par contre, ils avancent pas. Ils avancent pas, sérieusement? Ah, quand même. Voilà, donc, alors, pour ces deux-là, il y a deux possibilités. Soit on leur parle maintenant avec Ryzen ou Ike, et du coup, on les recrute pour cette mission. Soit on les laisse comme ça en allié, et s'ils survivent à cette mission, ils nous rejoignent automatiquement à la prochaine. Voilà. Juste pour info, donc allez, coucou. Alors, euphorie, augmente le biorythme à son maximum. Ah bah c'est ça que j'aurais dû mettre pour... C'est ça que j'aurais dû mettre pour Mist. J'aurais dû prendre Mist et mettre ça. On va les laisser venir, hein, clairement, là. On va les laisser venir, hein. Je vous le dis. Après tout, mon rôle, c'est de survivre, pas de les tuer. Non, les perteuses d'Aine ne meurent pas. Ok, d'accord. Alors, Merlin d'acier, hop. Voilà. Et toi là. Ah, dommage, il est hors de portée. Allez, augmente le biorythme. Voilà. T'as quoi comme arme? Pioche d'acier, c'est bon. Tranquille. Allez, comme dirait l'autre. Et voilà.
On économise les pieux. Yop. Ensuite, toi, prends de l'XP. Ce Merlin, on va le finir. On élimine les mages. Janus, ça a toujours été mon préféré dans parmi les deux faucons. Ensuite, au niveau du biorhythme. Voilà, tiens, faut que tu sois optimal, mon vieux. Allez, viens mourir. Oh, plus un critique, bien joué. J'avais dit que je l'aimais bien, Janus. Le temps que vous arriviez, vous. Alors. Dommage. J'aurais aimé un petit coup critique, mais bon, on peut pas l'avoir à chaque fois. Thank you.
Là, il commence à faire mal, hein, Rolf. Hop. Alors attends, parce que si j'avance, là je vais me prendre tout ça dans les dents. Je pense qu'ils n'auront même pas, attendez. En fait, ça va. Je vais me prendre cela. Mais. À combien de précision je suis là? Je sais pas. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va faire une petite sauvegarde rapide. Hop, voilà, au cas où. Tac, viens là. Allez, lance. Lance le petit épieu juste pour s'en débarrasser. Ouais, c'est pas grave, reste là. Mia, mets-toi là. Toi, mets-toi là. Faut faire attention à lui là-bas quand même. Toi, mets-toi là éventuellement. Ou alors. Ouais, on va faire. Non, attends. Là d'abord. Ouais, fais ça. Toi. Là. Toi, tu pourrais en attaquer un aussi. Ben, l'arbalétrier en vrai. Alors, c'est pas une bonne idée, hein, mais juste pour voir. 24 x 2. Il y a une chance sur deux qui me loupe, mais on va pas prendre le risque. Ok. Mets-toi là. Et qui c'est qui a pas joué? Ranulf arrive. Ouais, je pourrais me contenter de rester au fond et de passer les tours, hein, mais bon. Alors, tu en as combien? 8. Si j'attaque l'archer, là, est-ce que j'ai l'occasion de me replier? Je sais pas. J'ai un doute. Bon, on va tenter, on va voir. Allez, à la limite, vu que j'ai un doute, on va faire une petite sauvegarde rapide. Voilà, hop.
Salut Maruta, comment vas-tu? Voilà, et on se replie. Ensuite, Mia. Allez, on tente. Voilà, parfait. Après, toi, là. Rire, j'ai commencé avec les deux, tu m'as donné fait envie. Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est une bonne chose, dirais-je. Allez. Voilà, hausse de niveau parfait, donc tu devrais pouvoir utiliser l'arc de Shinnon du coup. Là, est-ce qu'il y a des archers? Oui, là. C'est un grand arc, ok. Ok, ouais, mais là il y a des mages après derrière, faut faire attention. Toi, ça va. Toi, tu peux venir m'attaquer avec un dracocide, donc non. Non, 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 non. Là, là, épée de foudre, courte, ok. Alors, allez. Hop, ensuite, là. Toi là, fais attention quand même. Ah, genre Soren. C'est dommage. Je vais pas s'attaquer, n'est-ce pas? Ensuite, toi, bah écoute, à un moment donné, il va falloir y aller, hein. Allez. Avec ton grand arc, si t'arrives à me toucher, franchement, respect.
Ah, toi, tu t'en vas, carrément. Alors, à nous. Ok. Hop. Hop là, attendez. Hop, hop, voilà. On fait quand même attention, hein. Là, j'ai un doute. À mon avis, si je le tue lui, les mages vont pouvoir avancer. Alors, tu sais quoi? Déjà, jouer comme ça. Parfait. Alors les mages n'ont pas l'air de pouvoir avancer quand même. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que si je le mets là, ça devrait être bon. Mais après il va bientôt se retransformer. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. Pas une bonne idée du tout même. Alors on va le mettre là. Voilà. Là. 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 Oh, on fait attention. Ok. Gérard, tu meurs. Et là, on va avoir la réponse pour les mages. Non, il bouge pas. Bon, bah alors, tu peux rester là. Vous, bientôt, vous vous retransformez, donc on va arrêter. Hop, là. Thorin avance. Attends. Voilà. Et toi, tu vas te mettre là. Vérifie quand même qu'il n'y en ait pas un qui a un javelot ou un truc comme ça. A priori, c'est bon. Donc toi, tu vas te mettre là. Et tu vas nous mettre une petite euphorie sur Mia. Voilà. Qui n'a pas joué? Ah bah oui, vous. Ok, c'est bon. Allez, approchez-vous, venez mourir. Ce serait drôle d'aller avec Ard, d'arriver à atteindre Gilles. Pour le coup, ce serait drôle. Je pensais que t'étais hors de portée, mais pourquoi pas, hein. Donc c'est pas de la foudre. Ah, Jill est à l'ouest. Alors, j'ai quand même envie d'essayer d'aller voir si Jill m'attaquerait. Ah, parle à Jill, tu la recrutes? Ah ouais? Ah bah alors, raison de plus, on va y aller. On va clairement y aller. En fait, il faudrait que je me mette dans la portée de Jill, peut-être. Voilà, du genre là. Attends.
Est-ce que je suis hors de portée du match de foudre? Oui, le match, parce que autant le match de tempête, je m'en fous, mais le match de foudre, faut faire gaffe, quoi. Allez, toi, tu meurs. Il y en a d'autres comme ça qu'on peut recruter en leur parlant, Alain, tu sais? Non, mais cet homme a 2% de chance, il fait des critiques, quoi. Mais cet homme, ce A. Vous savez quoi? Attends, on va faire un truc. Tiens là. Tu veux enlever le deal de l'armée de Dane? Mais oui! Et oui, c'est trop classe de faire ça! C'est beaucoup trop classe de faire ça! T'as affaibli l'armée de Dane, certes, mais c'est juste beaucoup trop classe de faire ça. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y en a d'autres à part Jill qu'on peut recruter? Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, ce que je veux faire là, c'est aller tuer lui. Avec l'été Mordecai, ouais, mais l'été Mordecai, je les ai pas pris. Mist peut marquer avec Jill selon le level. Tiens. Bon, mais Ziark, tant pis, ça marchera pas. Donc, Ziark, on va devoir l'affronter. On est bien d'accord que si je les affronte, ils meurent pas. Hein. Parce que sinon, ça va être gênant. Ensuite, oui, il mourrait pas. Oui, bah alors il y a aucune raison qu'il meure pas, hein, c'est le même jeu. Hein. Il y a aucune raison qu'il meure, je veux dire. C'est le même jeu. Oh sérieux, cet homme qui part les coups de Ike, quoi. On aura tout vu.
J'ai justement rendu ici de mon côté. Eh bien, salut à toi, Sir McGee. Toi, tu peux pas avancer là, sérieux? Ah, toi, tu peux attaquer lui. Ça, c'est gênant. Ça, c'est gênant. Hook, voilà, c'est mieux. Et toi, mets-toi là, du coup, hors de portée de la Wyvern. Ensuite, la Wyvern, elle arrive, c'est très bien. Et voilà. Merci Maruta. Bonne journée à toi. Alors ma question est, est-ce qu'on peut leur parler? Non, on va l'attaquer directement. Bon. Alors, par contre, là, vous faire gaffe parce que eux, bon, comment dire qu'ils sont un peu mal là. Faire une sauvegarde rapide. Ah, alors. Là, atteindre Jill, ça me paraît compliqué quand même. Hein. Ça me paraît compliqué. Ouais. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Lui, attends, lui il fait combien de dégâts? 9 et lui 28. Ouais, quand même, ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop. Alors attendez, là faut réfléchir. Là faut arrêter de faire n'importe quoi, faut réfléchir. Déjà, eux, on va les mettre là. Ils gagnent de l'esquive. Eux, on va les mettre là. Ouais.
Alors attendez, parce que ouais, là je suis pas en bonne position. Il faudrait peut-être d'ailleurs reculer un coup. En vrai, je me demande si ce serait pas plus judicieux. Allez. Je sais pas si je vais réussir à l'atteindre, Jean. Je pense pas. Honnêtement. Je ne pense pas. Alors. Pas te mettre. Pas te mettre là. Je vais te mettre là plutôt. Allez, désolé mon gars. T'es pas du bon côté. Pour avoir fait corrosion sur le phare létal, c'était pas terrible par contre. Bon, il se retire, c'est bien ça, il meurt pas. Bon, très bien. Ah oui, je suis parfaitement d'accord que Mikaya a plus besoin d'eux que Ike. Là, je suis totalement d'accord. Mais moi, je trouve ça trop sympa de les enlever. Par contre, visiblement, je vois pas comment tu le recrutes, Ziark. Alors. Ensuite, quoi? Parce que mine de rien, elles me font peur ces Wyvern là. Et là, du coup, il n'y a plus que lui qui est à portée. Il n'y a plus que toi qui est à portée. Est-ce qu'on peut te bousculer? Non, on peut pas te bousculer. Bon, en vrai, je pourrais le faire avec lui, remarquez. Hein. Comment ça se fait qu'elle... Ah, parce qu'il a une hachette. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, du coup, si... Ça m'embête d'aller le sauver en fait. En vrai, ça m'embête d'aller le sauver. Le truc, c'est que si toi je te mets. Ouais, 44 points de vie, tu vas survivre. Hein. Voilà, c'est bon. Et toi, il faut que tu restes là, sinon lui il va être à portée. Alors, le mage de feu, par contre, on fait gaffe. Voilà.
Ah. Et voilà. Et là, non, si je me trompe pas, c'est le dernier tour. Non, Ranulf était hors de portée. Mais après, oui, il peut endurer une boule de feu, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il manque Ike reprenne à Londite quand même. Ok, alors c'est l'abandonné tour. Bon, très bien. Alors. Toi, tu vas arrêter de soigner des gens. Ah, dommage, j'aurais préféré un coup critique. Non, Ike il va. Bah. Il... Non, mais je veux dire, moi j'aurais préféré qu'il ait à Londite. Là, c'est sûr que. Enfin, c'est sûr, non, en vrai, il pourrait très bien utiliser à Londite, après tout, il fait chier, quoi. C'est son épée, merde, hein. Quel niveau, quel level up pourri. Après. Ragnel, pardon, excuse-moi, oui. Alondite, c'est celle du chevalier noir. Ragnel, Alain. Oui, oui, pardon. Oui, oui, excusez-moi. Je confonds Ragnel et Alondite. Alondite, c'est celle du chevalier noir. Effectivement. Ok. Pourquoi il a pas lancé l'animation? Ah, c'est bizarre.
Parfait. Toujours plus de défense et de PV pour les hérons, c'est très bien. Sortez de là. Voilà. 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 Toi. Là. Et voilà. Éventuellement, toi aussi. Eh bien, Mia, elle s'est réveillée. Parce qu'au début, elle esquivait rien, elle faisait jamais de coups critiques. Là, elle s'est réveillée quand même, hein. Allez, il me reste un tour à survivre et on est bon. Ouais, alors le temps que t'arrives, le chevalier noir, même si ce serait tentant, mais sans Ragnel, il peut pas affronter le chevalier noir, de toute façon. Alors... Attendez, parce que là, il faut quand même faire gaffe. Même si j'ai envie de tuer plein de soldats, je peux pas faire n'importe quoi non plus. Toi, vas-y. Et en plus, il va même pas mourir, ce couillon. Ok, ensuite. Toi, ça va. Ok, donc si j'avance avec Mia, elle va être à portée, forcément. Comment on va faire ? Toi déjà, élimine-moi celui-là. Alors, là, il n'y a que eux, vraiment, qui pourront m'attaquer. Donc, j'ai envie de dire, on peut y aller. Ça devrait le faire. Toi, tu vas arrêter de soigner des gens, on a dit. Ensuite.
vite, en faites quand même attention à leur portée, à eux. Voilà, et puis après, écoutez ma foi, je dirais qu'on est bon, hein, parce que lui, je pourrais le faire jouer, après je reviens là, éventuellement. Tard, il va tuer lui. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça, ou alors tant pis, en fait. Ouais, si, allez, c'est toujours de l'XP. Attends, juste au cas où, on fait pas de bêtises, que je me fasse pas avoir pour un truc aussi con que... la portée. Voilà, exactement. Même si, attendez. Et toi là, en vrai, si toi j'enlève, ouais non, c'est bon en fait, c'est bon. Allez, hop. Comme eux, ils vont pouvoir rejouer au prochain tour. Venez là. Mais le prochain tour, il n'aura pas lieu puisque c'est le dernier. Allez. Rien de mourir, vous. Le chevalier noir est pas loin, hein, mine de rien. Parfait. Oh mais quel... Oh mais il m'énerve. D'ailleurs, vous aurez un choix à faire concernant Péléas un peu plus tard, hein, dans la partie 4 du jeu, me semble-t-il. Vous aurez un choix à faire. C'est pas moi qui le ferai. Moi, je vous dirai les... Et encore, je sais pas si je vous dirai les conséquences que ça peut avoir. Mais voilà, vous aurez un choix à faire, je vous le dis.
Oh là là. Je peux pas les blairer ces deux-là. Hein. Grâce à la diversion des mercenaires de Grell, l'Alliance Laguse parvient à contourner les défenses de Dain. Hélas, le général Zelgius et l'armée principale continuent à pourchasser l'Alliance Laguse avec acharnement. Les Laguses sont affaiblies et n'ont d'autre choix que de traverser la lisière nord de la forêt de Soren. Une fois là-bas, ils essaieront de trouver la route secrète qui les mènera hors de Bénion, puis dans Gallia. Ardent. Pardon. Oh bordel, encore un sénateur. Ah bordel, c'est pas possible quoi. Bon, alors, plutôt un peu.
Il a pas tort, hein, en plus. Pour le coup, il a pas tort, là. Hein. Ok, alors, bon là il y a c'est pareil, il hein, y a rien de été avec Mordecai quand même. Ça me paraît legit. Ar, il y a toujours personne avec qui je pourrais le mettre. Et non. Et Soren pareil, Ranulf éventuellement avec Ike. Mets-toi avec Soren. Voilà. Parce que Titania, elle joue pas alors que Soren, il joue. Simplement. Alors, au niveau des techniques, c'est quoi la technique effroi déjà? Les ennemis situés dans un rayon de 3 cases voient leur précision et leur taux de coup critique baisser. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Qui aurait besoin que la précision soit baissée? Toi? Qui je mets souvent en première ligne et qui aurait besoin de ça? Nefeni. Ça, ce serait bien pour elle. Que les ennemis en face aient moins de précision pour l'attaquer, ça c'est bien. Voilà, on va mettre ça. Alors, au niveau de l'expérience... Oula, j'en ai pas mal. Juste pour voir. Je peux te faire évoluer, mon cher. J'hésite là. Là, j'hésite vraiment. Hein. Niveau 16, niveau 17, niveau 16. Ou alors je fais changer de classe pour art. Non, Ar, on va peut-être lui faire utiliser une promotion. Nefeni. J'hésite, je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de monter Mia. Mais. J'hésite là. Hein. Pour le coup, j'hésite vraiment entre Nefeni, Mia et Boyd. Est-ce que je leur ferai pas un niveau chacun alors? Mais ça veut dire que Nefeni, faut que la mette en... faut que je la joue. Hein. Faut que je la joue. Oscar, il en est où d'ailleurs? Niveau 17, ouais. Ouais, allez, on va mettre ça à Nefeni, allez. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Voilà. Et hop. Et voilà. Alors, au niveau des objets. Hop. Au niveau des objets. Réserve, tu poses ça. Et toi, pose ça. Du coup, au niveau des techniques. Divise les compétences gagnées par 2, mais permet à l'unité de se transformer quand bon lui semble. Les compétences gagnées par 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'expérience, j'imagine. Ouais, mais non. Alors,
28 pour voir. Une technique exceptionnelle, mais il faut qu'il soit niveau 30. Il n'y a personne qui est niveau 30 là au niveau de la guse. 29, 28. Non, bon, ben pas pour le moment. Ok, alors au niveau des objets, on a dit, toi, tu vas prendre la promotion. Et tu changes de classe. Allez. Oh là là, le son. Oh mon Dieu, quelle horreur. Voilà, c'est mieux. C'est le pouvoir du loup, d'accord. Là, il est stylé, hein. Seigneur dragon. Oh, mais pourquoi ça bug comme ça? Il est stylé, hein, très cher. Ah, très bien, Seigneur Dragon, parfait. Voilà, et les autres, on verra. Bon, au niveau du commerce, j'ai toujours pas d'argent. Ah non, évidemment. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on continuera. Hein. Guettez éventuellement les notifications sur Discord, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, je sais pas. Parce que, forcément, comme je reprends le boulot, je sais pas quand est-ce qu'on continuera. On verra. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, un jour, pour la suite. Salut tout le monde !